Hey yo les petits potes, c'est Rookie de retour sur Black Ops 6 pour le camo diamant du couteau, mais aussi de la batte de baseball. C'est parti! Petit rappel pour les camos or du couteau et de la batte de baseball, j'ai fait deux vidéos récentes pour parler du camo or de chacune des deux armes. Je vous mets les liens des vidéos à la fin de cette vidéo si jamais vous ne les avez pas encore fait. Deux prérequis essentiels à mon goût. Pour ces deux défis, que ce soit pour le couteau ou la batte de baseball, c'est de jouer le Joker Expert Tactique pour avoir deux stimulants en poche. Ensuite, c'est le mode de jeu. Je vous conseille uniquement Mosh Pit Confrontation et plus particulièrement la map Stakeout. La map Pit, ça peut passer. Gala ou Arène, il y a trop d'open space, il faut laisser tomber. Dernière petite astuce que vous verrez peut-être sur les gameplays, mais moi, ce que je vous conseille, c'est d'être patient et il y a plein de recoins où on peut attendre ses adversaires. C'est clairement pas le défi le plus simple avec les armes les plus simples. Donc oui, il va pas falloir hésiter parfois à camper, mais aussi à rusher quand vous arrivez dans le dos des adversaires. Vous pouvez jouer en effet la para plutôt que le stimulant, mais le stimulant c'est pour vous sortir de certaines difficultés si jamais on vous tire dessus, notamment en mode hardcore. Et donc les deux premiers kills, vous pouvez rush de toute façon puisque il faut aller chercher, mais soyez patient surtout pour valider le troisième. Et si vous faites des séries de multiples de 3, ça compte pour le défi, bien évidemment. Le défi diamant est le même pour les deux armes. Il vous demande de faire 10 fois 3 éliminations sans mourir. Ça peut être un peu tricky, en effet. Pour ce qui est du couteau, moi je vous conseille de le faire en mode normal, étant donné qu'il tue en un coup. Et donc pour ce qui est de la batte de baseball, c'est pareil, faire 10 fois 3 éliminations sans mourir. En revanche, c'est compliqué d'enchaîner 3 éliminations sans mourir en mode normal, puisque la batte ne tue pas en un coup mais en deux coups, ou alors il faut faire une espèce d'élimination avec la touche visée, donc la gâchette gauche pour moi, alors qu'en hardcore, elle tue en un coup. Alors oui, le hardcore est un peu plus tricky. Donc vous pouvez essayer le mode normal si vraiment vous avez des difficultés en hardcore, mais moi je vous conseille de le faire en hardcore. Pour moi ça a été assez rapide, en 3 games c'était plié. Voilà, j'espère que ce petit tuto va vous aider pour débloquer les camos de diamant pour la batte de baseball et le couteau. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao tout le monde.